Amis turfistes, bonjour et bienvenue dans nos émissions Les spécialistes du turf. Côte Nupu débrief la précédente journée, donc la 26e journée. Le Nabucco Kixeuse pour nous raconter Zut. À mes côtés, Nitin Lekrache, bonjour. Bonjour, Patrice. Ça va? Correct. Tout correct? L'enquête pour une passée hier? Pas grand chose. Pas, ouais, pas grand chose. Sauf qu'il y a Karim Neko. Deux semaines de suspension, on a interférence qui définit une cause, l'eau, c'était joué un peu après le départ. Il a gagné l'eau, c'est mal là, c'est bon. Il me colle, il me tape un petit peu. Mérité sa suspension. Ok, après Pena, grandes affaires. Par contre, Nunu Bukozo, beaucoup quelque chose dans Nutin. Au sommet de cette émission, chers amis, Rob Roy, encore une fois, intraitable. Nunu Bukozo, Silo, Dinesh Sofoul, taille patron avec ses trois victoires. Walls of Dubrovnik et Emblem of Hope. Chez les traces d'Arsenal, invaincu, invincible pour le moment. Bless my pauvre qui ne bénéficie d'un good jockeyship. Sarah Secret, une grande première après 5 ans d'attente, chers amis. Nous pouvons aussi nos stage world, qui nous donne jouer des courses et qui nous gagne tout en sa faveur. Et aussi, nous pouvons nos Almador et Credit to Sudesh, chers amis. Nous commençons avec ça, les courses Rob Roy. Tiena Danze, Tiena Maroding, Tiena Albraga. Albraga, oui, c'est ça. Ouais. Et puis, mais non, mais Rob Roy, il est en ligne de mettre devant, Nitin. Comment dire, Nitin, finit faire la moitié de travail. Sur première ligne, il est un gros atout. Et une fois qu'il finit de mettre devant, il tient l'occasion, étant souvent de foulée devant à sa guise. Et c'est difficile dans sa bonne circonstance, ça pourrait venir l'autre. Oui, mais les temps, analyse des courses, là, comment ils vont dérouler, est-ce qu'il Albraga pour capable mettre une pression le roulis ou un petit plaisir comme ça, qui Rob Roy est tellement rapide qu'il peut-être Albraga pas pour capable même mettre une pression le roulis, est-ce ce qui est arrivé? Et quand il y a le tranquille comme ça devant, qui Dinesh Sofoul, bon, c'est le troisième ou quatrième les courses qui Dinesh Sofoul gagne avec lui. Hein, et. Donc, il même gagne les temps, souffler un coup, tous ces vals là. Oui, mais écoutez, c'est un val ce dernier les coups, il démontrait qu'il franchit vraiment un palier. Il fallait gagner l'autre 365 mètres, alors qu'il n'est pas capable de défendre sa zone là. Donc, il y a un peu plus de maturité, il gagne un peu plus en résistance également. Et quand il retourne sur le parcours de prédilection, et il touche le devant avec un premier nid, un handicap favorable aux deux, pour définitivement. Très redoutable et les filles les roses vraiment dans un joli style. Un Timolo Maroding dans les courses, ça connaît mon van cheval préféré, mais tout gueule pas ensemble. Donc, moi, un peu abriti, là. Un Timolo Maroding. Bon, les filles bien défendues, mais moi, quand nous guettons les courses, ça n'est pas un natural 990 et ouais, il n'est pas un vrai pur sprint. C'est pas Rob Roy. Pour Maroding, Kavinger, Haleko, ça faudrait une vraie pression, le Rob Roy qui, comment dire. Là aussi, bon. Il met les biens, strangle pour venir là. Ça met, exactement, ouais. Ça sent bien, il met là, comment dire, il peut lutter, là, nous, quand trop Maroding, venir. Mais si vous gagnez pas chaque fois comme ça, il peut battre Maroding à chaque fois. Oui, mon pensée, nous faisons regretter le plus long. Donc, nous regrettons ça les courses. On apprécie ça les courses, Rob Roy là. Et Nitin Kav fait ce commentaire, bien sûr. Bon, la première nuit, déjà, c'est un gros atout pour Rob Roy, Dinesh Sofoul. Donc, solliciter get Albraga Koroko côté à ce stade, Patrice. Oui, il est encore loin derrière, il peut essayer de mettre sa pression. Sofoul finit pour les armées. Mais cela dit, Albraga, il fait une jolie course. Oui. L'extérieur au Broy. Et get Maroding côté, Maroding derrière Rose God qui peut retourner après une petite convalescence. Bon, pas un des deux idéal à ce stade pour lui. D'ailleurs, c'est ce qui motive vraiment, d'après moi, déboîter assez tôt. Bien sûr. Et get Albraga, donc. Essayez son maximum pour essayer de traquer Rob Roy. Si Pena Rob Roy dans les roues, Albraga, tu peux emmener au moins 4 longueurs au Rose God. Ouais, mais peut-être qu'il risque de pas gagner les roues. Parce qu'il a. Là, il peut faire des efforts pour les chasses Rob Roy. Ouais.
Mais si on galope sur les couches, tranquille, n'est-il. Oui, mais il pas qu'il faut battre au bruit de toute façon. Ouais. Si on vient et on se battre au bruit, c'est un galope comme ça même. On va peut-être dire où, si comme a dit. Si peinard au bruit, il y a les couches là, il y a le devant et qu'il est réglé ce pas. Quand il est fini avec. C'est bon les couches. Avec Marauding, hein, ouais. Donc avec ce poids plume, 52 kg seulement sur les deux. Ouais. Donc, nous capables contre l'Oual Braga, l'Oen Sprint pareil, d'une division moins relevée. Même Marauding, si Pénard Aubreuil, oui. Dans les roues, ça, il est capable de gagner, non, 290 mètres. Hein. Bon, il est capable de gagner, mais n'est-il. Nous peinons à poil. Nous peinons à poil cause plus de sa victoire au Aubreuil. Là, je pense qu'il prochaine sortie aussi. Félicite sur l'entourage, sur l'entraîneur, parce que c'est un Séval qui, quand même, tu peux évoluer dans une division inférieure. Graduellement, Séval-là, il progressait. Il gagnait sans bout 2005, tout ça. Oui, vous rappelle. Terrible, ça. Il progressait, il gagnait la Lightning Cup. Et là, c'est sa 7e victoire quand même au champ de mort. Ouais, c'est quand même une très très belle performance de Robroy et de Dinesh Shoful. Mais Nitin, allez nous un petit guinlo Marauding. Est-ce que vous parcourez bien remettre l'ON 365 voire 1400 mètres? C'est possible. Est-ce qu'il guettez, c'est pas là avec maturité. Est-ce qu'il ou quoi là avec un peu plus maturité, il pas pour tirer dans les courses? Bon, peut-être qu'il est plus relax. C'est un peu plus relax par rapport à ce moment de l'année ici. Parce que ça, deuxième fois, il non, galope, même la dernière fois, il est bien galopé, mais sauf qu'il est bien galopé. Pourquoi pas pouvoir. Non, c'est pas pour. Tu galopes contre un découvert et jet. Contre un découvert et jet. Ouais, mais. Là, pas facile de galoper contre un découvert et jet. Non. En ce moment. Mais bah, bon. N'oubliez Marauding, l'ON 365, l'ON 1400 mètres à sa prochaine sortie. Nitin, nous écoutons un coup de qui Vincent Allette, et là pour dire nous, Robroy, l'eau ce journée, parce qu'il passe une journée quand même pas mal, avec deux victoires, et aussi l'eau peut-être, nous connaissons Camlé, si vous demandez qui. C'est Val. Qui va bon, c'est Val, et là dans ce yard en ce moment. Vincent Allette. Vincent, une 7e victoire pour Robroy sur 990 mètres. Il faut dire que c'était un excellent compétiteur sur la distance. Effectivement, quand même, je me pensais, bon, ce dernier les courses, il a quand même fait une jolie seconde, l'autre 13-65. Faute de parcours, il y a une des courses qui a annulé avec la pluie. Bon, donc, moi, il a un peu plus terminal, il n'a pas fini mal galoper. Et là, samedi, bon, pour moi, c'était notre meilleure chance de la journée, avec un bon numéro. Au départ, il partait de la manche cheval vraiment, vraiment rapide avec lui. Et malgré que le cheval de l'écurie Gadjada Insee mette un peu de pression, le moins, which is tactical. Et le plus important, c'est qu'il ait pu remporter la course et rentrer à l'écurie correctement. Il y a également la 5e victoire de Goodwill sur 990 mètres, un coursier dont on ne connaît pas les limites, Vincent. Goodwill, malheureusement, lui aussi, pendant la journée, tiens, une grosse averse, il tient un bon numéro au départ quand il était supposé galoper. La journée a fini annulée. Par la suite, il a gagné le couloir. Et il a battu par Captain Garrett Moko ce jour-là. Et il a fait une honorable deuxième place. C'est un petit coursier honnête, mais malheureusement, qui a ses petits pépins, que je vous ai dit avec un. Être vigilant, avec une double précaution, comment vous dire. Mais si c'était un cheval sain, je pensais des types à l'encore plus loin. Mais n'empêche qu'il galope 6 les coups, sauf qu'un 5 victoires et qu'une deuxième place, je pensais qu'il remplit son contrat. Donc, whatever will come now will be a bonus. Vincent, le cousin qui est sur Twister Fate, comment qualifier sa performance dans le Méden? Moi, je pensais qu'il est très bien galopé. D'ailleurs, quand on regrette les courses là, le cheval, il y a un cheval gris dans virage qui fait une kit bas, qui fait une soye et moi, three horses wide, qui ne peut pas comprendre ce qu'allait qu'il fait ça. Et malheureusement, bon, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup d'affaires, mais chacun a son opinion. Moi, je pensais qu'il finit bien galopé. Et qui a un plan avec sa course là au fil de la journée? Bon, vu son rating,
les papas galopent, les galopent encore une course ou deux courses. Donc, parce que je parlais d'un petit cheval qui fait 460 kg, je parlais trop de les poids aussi. Et nous prenons les step by step. Vincent, il y a également Backpacker qui a tiré sur une performance bien honorable lors de la première sortie de la saison. Comment explique ce performance de ces derniers temps? Je pensais quand même ça souvent là, je t'explique un petit peu plus de lui. Je pensais que l'acclimat n'est pas quoi acclimaté pour moi. Il est mieux quand il paraît mieux. Il travaille correctement. D'ailleurs, il y a un travail avec lui, sauf qu'il peut travailler bien avec ce cheval-là. Mais bon, il y a un cheval qui prend le temps d'adaptation, d'acclimatation. Et je pense que c'est un des ce cheval-là. Bon, donc, je vais donner celui-là qui est bizarre. Et when the time will come, it will come. Et comment fin passe la récupération de King of Tara par rapport à sa performance de Yann Grand Walls of Dubrovnik? Lui aussi, il fin, pour moi, il finit bien galoper. Il finit remplir ce contrat cette année-là. Il gagne trois victoires l'année, trois victoires cette année-là. Et bon, malheureusement, il est tellement monté en rating. Enfin, malheureusement, il gagne sur des courses, c'est pas normal qu'il est monté en rating. Bon, donc, il est monté en rating. Et maintenant, moi, il n'est pas pour galoper beaucoup encore lui aussi. Mais il a besoin de des courses pour. Si nous gagnons encore des courses, ça va être du bonus. Mais il finit remplir ce contrat pour cette année-là. Vincent, une quatrième place au classement avec 18 victoires. Comment qualifier le parcours de l'écurie depuis le début de la saison? Bon, moi, j'ai quand même pas mal mal sens. Moi, j'ai fait beaucoup de deuxième place, troisième place. bêtement, moi, je vous dis, mais c'est des aléas de course. La performance, moi, j'explique légèrement mieux, légèrement dessus des prévisions. Mais bon, n'empêche que 10 victoires, il n'est pas mauvais. Mais ce qui m'inquiète, c'est la façon dont les courses peuvent aller et financièrement. Quasiment impossible pour continuer garder le tempo. Et j'espérais qu'il nous réussisse, le TEF, c'est que le gouvernement réussisse à trouver un accord parce que financièrement, mon cas, j'ai une affaire. We are working at a loss. Et l'avenir est sombre. Bon, donc, je sais que le gouvernement est venu avec un man projet qu'ils ont annoncé, que le Premier ministre a annoncé au Parlement. Mais le TEUF Club nous appelle dans le noir et le plus vite qu'il nous connaît quand nous peut aller, il prend de bonnes affaires. Parce que mon cas, où, actuellement, nous peut travailler à perte. Et dans n'importe quel business, ou cave travaille un an, deux ans, trois ans à perte et arrive un moment où on n'est plus capable. Et moi, un de ceux, moi, parce que en mon nom personnel pour mon l'écurie, pas pour continuer comme ça. Il est quasiment impossible. Pour continuer de travailler dans les conditions que nous pouvons travailler. Et le stakes money est tellement faible qu'ils n'ont même pas capable de payer mon compte à la fin de l'année. À la fin du mois, ou bien faire la magie. Bon, donc, les tristes, les dommages, mais j'espérais qu'ils vont trouver une solution au plus rapidement possible parce qu'ils ne m'ont pas pensé tout seul dans cette situation-là. Mais comme je te répète, Kamles, je me cause en mon nom en tant qu'immolécurie. Il est extrêmement difficile. Bon, donc, il y aura des décisions qui vont être prises dans les semaines à venir par rapport à l'avenir des curies. Vincent Allette, chers amis, nous sommes sur le sujet là, mais nous avons besoin de ça interview Vincent Allette là. Et les temps de cause Méden, les temps qu'on laisse une demande. Est-ce qu'il est satisfait la performance de Twister Fate? Sont un petit amertume l'osa manière qui ce cheval vient à l'extérieur cheval gris qui dit ben là c'est bien bag of tricks et une sorte il est vraiment une sorte il est un peu mais vous trouvez qu'il il pas de dire ça Nitin? Bon mon pensée quelque part. Donc quelque part, c'est le Méden. Allez. C'est le Méden, la plus grande course. Exactement. Du calendrier épique. Ouais. Ce cheval, c'est un man chevaux. Deuxième favori, les courses, derrière ouais. Alciba. Et. Bon, nous paierons guette ça. Le troisième épaisseur, Bagotrix, c'est tout droit qui de bord, sort il est là, parce qu'il marche à l'faux, pas peut avancer. Ouais. Et là, nous tout Twist of Fate,
toujours à l'extérieur. Et là, rarement pour Rodal en déo, ouais. Et puis quand il peut à Rodal en déo, normalement, il y a un passage à l'intérieur, il peut sortir, puis sortir. À l'extérieur. Plus à l'extérieur. Plus, encore plus à l'extérieur. Plus à l'extérieur. Ouais. Donc, il c'est, peut... ça, c'est ça qui. Ouais, c'est ça qui. Ouais, ouais. Qui parce, qu'il, parce qu'il a nous trouvé. Si. Lui, ouais. Si moi, on espère nous revenir en arrière. Si nous continuer, là même, là, tu es en fait derrière Alciba. Ouais. Donc, si il n'est pas besoin de carry wide, mais tu pourrais se dégager. Il n'est pas tu pourrais dans sa quantité. Ground up pour faire le Alciba. Ouais, mais c'est bon, là, Alciba a démarré. Là, oui, Alciba a démarré, oui, tout à fait. Donc, Lili pas démarré. Hein. Oui, ouais. Lili pas démarré. Mais bon, il n'a pas trop l'officier aussi devant lui. Devant lui. Fédé peut mettre lui aussi. Hein. Ouais. Rama, il a tout droit de mettre lui aussi. Parce oui, bien sûr. Non, il n'est pas capable. Non, mais c'est là, sûr. Mon gars, l'occasion évoque ça avec. Mais qui fait Rama éventuellement, il t'y capte une place le bord. Normalement, hein? Inside run, c'est pour lui. Il t'y capte. Shortest way home, c'est inside run. Exactement. Vous pensez, c'est ça qui. Et Fédé, dans une interview de la presse sud-africaine. Sud-africaine, bon, dire ça, ouais. Il dit qu'il n'est pas le nom bagotrice, mais il dit qu'il y a un concurrent qui ne t'apporte pas en plusieurs fois dans les courses, il pensait. L'idée, c'est que c'est Valine bien galopé, tu es capable de faire mieux. Mais si nous sommes capables de revenir nos 400 mètres encore, si nous retournons en arrière, vous pouvez trouver que quand tu es en fait, tu as le wide comme ça. Regarde ça. Bon, Alciban finit, il a attaqué devant. Tu es en fait, tu peux faire ça. Troisième EPC. Là. Ouais. Et il retrouve lui au là, moins 5e EPC là. 5e EPC là, il a fait couvrir cover encore plus grand. Là, il est capable éventuellement rentrer dans le lui aussi. Regarde ça. Comme il terrain en plus, il peut bien faire l'eau par rapport à Alciba là. Ouais. Et qu'elle arrive après Patrice. Regarde qui vitesse il peut terminer. Regarde Opéra Royal côté. Opéra Royal peut couvrir moins ce terrain qui puisse en fait. Il peut passer en dedans. Opéra Royal, il est malin là. Il est tout ça. Mais oui, et Opéra Royal peut passer là. Get plus en fait, puis besoin d'aller complètement à l'extérieur. Ouais. Assez si vous considérez qu'Opéra Royal, il n'y a pas de comme il a vu. Une longueur et quelques, non? Même pas. 0,70. Ça veut dire moins qu'une longueur. Assez get plus en fait, qui vitesse peut finir aussi. Ouais. Tu sais en fait, puis refaire terrain à la fin. Ouais, il peut refaire terrain. Get ça, il peut finir aussi. Il peut finir plus fort. Donc. Quelque part, si. Au fait, il finit plus fort qu'Opéra Royal. Il finit plus fort qu'Opéra Royal. Il a battu 0,80. Puis son fait, il a battu 0,80. Donc, quelque part. Un peu normal. Astenal comprend Vincent Allet. Pas seulement Vincent Allet, mais Fédéb aussi. Même Fédéb. Que je te convaincu que je suis capable de gagner les courses. Exactement. Et, bon, maintenant, par rapport à la Mondeurma, pas fini dans la. Pénal, enquête là, ça. Mais c'est bon, mon devant quand même. Swapnil. Mon père demande Swapnil. Ouais. Mon demande mon commissaire. Ouais. Hier d'ailleurs, mon évoque ça avec mon commissaire. Est-ce qu'il bon, il a une frustration, nous connaît. Et, il paraît quand même justifié sur le film, mais et, même du côté de l'entourage de Kirira Michel Gadidor, l'entourage de Bagantrix aussi, je suis capable. Il a une frustration parce qu'il. L'Itska termine plus près. Bien sûr, c'est si Bagantrix. Bagantrix, nous peut dire. Hein. Ouais, L'Itska termine plus près. Mais la lecture, mon commissaire, c'est que Rama, il finit comme il poil en déo parce qu'il paye de sur la tête. C'est que je peux dire. Moi, je ne sais pas si j'en lis au fricot, mais je veux dire que Rama, il finit comme il poil en déo parce qu'il trouve d'Azle. Puis faible devant lui. Bon, par exemple, nous avons réglé le film là à partir de 400 mètres. Vedazle, selon mon commissaire là, Vedazle, puis faible et Padre Pio aussi, un faible. Tu es des faible. Tu es devant lui. Donc, je pensais qu'il est vraiment capable. Peut-être que ce n'était pas la bonne décision. Mais il bizarre prendre une décision, ça vient là. Il prend sa décision pour aller en déo. Soit il y a l'en déo, soit il y a l'en déo. Même, je te lecture, c'est qu'il quand il peut aller en déo, mais il peut faux en même temps. Et nous regrettons ça, nous dire 350 mètres à peu près. Donc, là, comment vous dire, Rama, il a tout droit.
Ouais. Bon, là, hein, la liquide bon, parce qu'il mange le feu, tu peux le faire. Dévalier dans le gaz, là, il dévalier dans le patron l'officier. Ouais. Et là, bon, il est capable, diamant, il est capable à l'intérieur, mais peut-être, comment madame peut dire, bon, il peut trouver le gaz là. Mais bon, l'infini comique, il est capable à l'intérieur là. Il est capable de faire, selon moi, le commissaire est capable de faire une erreur, mais ce n'est pas volontaire. Il n'est pas une erreur volontaire, exactement. Ouais. Ça, c'est le tiers commissaire. Ouais. Donc, mais si n'a pas ça, là, on n'y tient. Hein? Mais, moi, pas connais, peut-être qu'il. Bon. Après, les split seconds, là. Nous, ouais, les split seconds, nous pouvons gagner ça. Nous pouvons gagner ça. C'est le mot, je fais 50 fois, là, nous. Hein? Ouais. Et bon. Lili, il prend la décision, là, bon. À ce moment-là précis. Hein? Bon, regarde ça. Ça crée une seule opinion. Ouais, bien si sûr. On voit demande l'entourage qui s'en fait, ben là, ouais. C'est pas un bon la monde. Ouais, bien sûr. Ou demande l'entourage, bagarre, truc, je suis juste à dire, ouais, mais. Ouais. Short test way home, inside run. Inside run. Commissaire, il y a une autre lecture. Bon. Mais ça, ça même qui fait aboutir les coups. Ça même qui fait aboutir les coups, c'est ne pas supposer comme ça. Ouais. Nous même comme ça. Parce que c'est le Méden. Oui, c'est le Méden, c'est la grande course. C'est la grande course. Donc, voilà, chers mais, amis. Mais c'est sûr, bon, au-delà de la polémique, ouais. Quand vous êtes arrivé dans les coups, tu s'en fais. Ouais. Capable, il a toutes les chances de battre Alcibane dans le groupe. Il est capable de battre Alcibane, mais il est capable de terminer un team plus près. Il est capable de faire un dead. 0,80. Il est capable de faire un plus facile. Juste pour lui faire un dead. Ouais, il est. Ouais, hein? Bien dit. Allez, dead. Il est capable de faire. Allez, nous sommes au sujet. Dans l'eau, nous, camarades, Dinesh Shoful. 3 les courses, 3 victoires, c'est bon. T'as un patron, oui. Mais chose, papa il l'orgli, papa au fou, ça brésilien là, papa il l'orgli. Get ça. Nous avons premièrement la victoire de Godjouel. Ouais. Ok. Après, nous pouvons le boucler aussi, elle le tisse mal dans sa l'écho, ça qui appelle Mac and Score. Get la cause de la victoire de Godjouel qui sortit à l'extérieur complètement, Nitin. Get ça. Comment. Get ça, vous avez une question là-bas. L'extérieur net là. Mais Dinesh Shoful qui avait magicien. Qu'est-ce que ça? Il a gagné sa place là. Hein? Mais quand on get les coups ça. Ouais. Get ça, boss. La gueule bouge à moi là. Ouais, non, il dit bon. Non, mais la ligne, franchement. C'est un man qui est plus efficace, mais il met les pas. Là, on est sur 90 mètres. Mais si c'est que ça move là. Libisation, pion macho. Non, sérieusement. Libisation, pion, c'est que ça move là. Mais là, l'état, il fait ça, Nikin. Ouais, les cousines finies. Mais les cousines finies. Bon, c'est devant Johnny Palenik. Ouais, Henry Tudor, tous les débuts. Tu es saigné. Saigné, ouais. Tu es saigné, mais saigné des narines. Mais Godjouel, pas si c'est val non plus. Non. Mais comment Vincent, tu peux dire, malheureusement, il y a une Sébastien qui a un petit problème. Ouais, mais malgré ce problème. Il y a un problème, il n'y a pas gagné, papa. Si sorti 5 victoires, une deuxième place. Que vous dire là. Ouais. Mais à ce là si pas de Sébastien qui sound correct, tu peux en diffuser, c'est moi. Maintenant, Nitin Daha, allez, nous terminons ça, les causes Godjouel là. Après, Dinesh Shoful, il est fini, il y a un passage, comment nous peut dire. Après, il monte, il est tranquille, il une trappe sur une tièce au cravasse, un coup, pourquoi il n'est pas même tapé. Hein? Donc, Godjouel, il y a une bonne révélation dans ces jours. Il existe montre, il dit allié, je te parle, je vais taper un coup, mais c'est pas là, mais tu es au cravasse, il va aller. Mais par contre, dans les coups, ça, Nitin. Et un autre favori, deuxième favori beaucoup dans les coups ça ou premier favori. Pas vrai non, pas en fait troisième c'est pas le mieux côté. Ouais, c'est Mac and Score. Écoutez, mon papa dit, vous connaissez comment mon content Santana. Brésilien. Ouais. Vous connaissez. Ouais, mais une semaine plus grand fan. Ça normal. Ouais. Moi dis moi si il fait champion, pas espérer qu'il fait champion. Ouais. Vous dînez. Vous dînez. On va mettre ça par rapport au Brésil là, mais tiens faut tout au lit. Ouais. Mais moi pas trop d'accord, enfin moi pas. Qui peut être, moi, j'ai un chef fils. Ouais. Mais l'ici, qui a fait mieux le Hamak and Score là, du bus. Tu fais où, Jaha? Allez, nous mettre, nous get ça, les coups, ça. Non, moi, get ça. Il sorti 8e couloir. Oui. Godjouel sorti 9e couloir. Allez, ah, ça, même non, ouais. Où ça, là. Sa position là, tu es capable, que Godjouel rentre là, ou capable de dire. Bon, mais il finit comme mythe, c'est moi devant la Patrice. Get Godjouel derrière lui. Ouais. S'il sorti un peu moins lent,
c'est lui qui a gagné en place. Godjouel rentre ça, là. Ou toi, c'est un goudé. Ils étaient découdés, là. Ouais, mais Godjouel finit par en place. Ça, même, aïe, Bentinez Soufou, il a fait plus malin qu'il là. Ouais, non, non, Godjouel finit rentre en place. Ça. Allez, mais d'accord, où mais d'accord, où mais d'accord, où ça, vrai même. Ouais. Ah, c'est là. Ouais. Il partit car, ouais, non, il peut pousser là. Il peut pousser là. Non, non, pas me dire, il peut pousser là, moi. Vous pouvez dire où il partit car, améliorer un petit peu de position. Non, mais il peut pousser là, comment il peut venir là. Là. Mais là, quand il y a le comité qui parle de où mais ça même. Il faisait reste là. Mais ça même qui m'a dit où là. Il parle de où ça bout là qui m'a. Vous ne pouvez pas se mal. La pétition. Vous ne pouvez pas se mal. 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 Vous ne pouvez pas l'impression aussi. Parce que Juni Palin est zigzag devant lui aussi. Parce qu'il est là. S'il reste là, Patrice. Ouais. Ok, encore là, tu me. Ouais, allez. Ouais. Non, allez. Ça même moi, Bédiaouli, si Kabin coste un tigit avec Godjouel. Parce qu'il a, il a des séval, il a trop. Si il a attaqué les poubs, il a four wide. Ouais. Il exactement. Les tigapares, l'extérieur Godjouel. C'est ce mais là, le droit, il y a quelque chose là, mais il peut pousser là. Oh, non, ça, il y a. Allez. Pena discussion, l'eau raboute là. Allez, ok. Mais vous pensez capable de. La ligne commit poil. Bon, il y a une interférence. Il y a une interférence à cause de ça. Il y a l'endéo. Juni Pelin, il y a l'endéo. Ouais. Vous pensez l'endéo. Il prend l'endéo. Peut-être qu'il peut trouver, qu'il peut anticiper, qu'il peut arriver devant lui. Peut-être. Il n'est pas capable de trop blâmer ici. Ouais, peut-être à cause. Ok. Allez, continuez. Allez. Nous continuons. Allez, ça y est, débout. La ligne perd du terrain, là. Débout moins à tôt, là. Ouais, là, ouais, la ligne est revenue. Parce qu'il faisait pas soir, et puis il a soir, Juni Pelin, puis il l'a oublié. Godjouel, il y a sa inside run, là. Ouais. Non, mais là, Godjouel. Là, Godjouel finit à aller. Mais dans la ligne droite, quand il met pression, c'est mal là, il y a une tendance, c'est mal qu'il y a une tendance, hang, ça. Ouais. Bon, il tient un coup de cravasse. Ouais. Bon, c'est mal là, il y a une tendance sans sens du pied. Ouais, mais peut-être aussi qu'il y trouvait qu'il n'est pas capable de gagner. Il n'est pas capable de rattraper Godjouel. Ouais, un peu sauf dans la ligne droite. Un petit peu sauf. Dans les sauts, mais c'est mort. Il n'est pas tu pour gagner les coups, ça. Allez, bon, mais courez, Carlos. Moi aussi, je me dis, connais quand mon coach Santana. Ouais. Connais mon coach, je dis en bien. Mais que ça, c'est que mon camarade, j'ai où il y a un commissaire, il s'appelle lui pour rapporter l'enquête. Côté Akasu Charaz, il suspend le stage joueur pour une interférence contre Timon Free to Win. Mais après, ben là, il tenait à entretenir Zot avec lui, ouais. En privé, en l'absence journaliste. Qui fait ça? Je ne sais pas dire où. Peut-être que. Vous ne pouvez pas vous connaître ou pas vous connaître. Mais je pense peut-être que. Je ne sais pas, mais je pense que capable d'une cause de. Pour ça, les grosses. Peut-être. Ça veut dire que. Je pense. Ça veut dire que je suis à l'œil. Ouais. Mais comment vous dire, quand vous êtes les coups, ça. Ouais. Bon, il y en a si mes sorti. Il y en a un incident qui finit de rouler. Ça veut dire que Juni Pelin n'a pas été trouvé. À cause de ça, je pense qu'il y a l'endio. Et dans l'autre victoire, la victoire de Duke's Domain. Tiena, et ça tient donc. Colin Maïfait. Il s'est déjà battu Colin Maïfait. Mais son entourage, il récit Gordy dans une belle forme. Belle forme. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ça, rien à dire. Et toujours. Dinesh Shoful encore. Toujours Dinesh Shoful. Il récit place ce mal-là. Mais Alaïla, mais qu'est-ce ça? Vous pouvez là? Mais Dinesh Shoful, je ne pas connaître. Ça, l'année-là, il peut montrer, comment dire, un safe. Ouais. Ou d'accord. Non, mais un patron. Parce que nous peut ça de la montre là. Ouais. Il y a le tout. Pas dire si papa n'appelle les sirènes entrer. Non. Il y a le trou sa place là, ouais. Et il accélère ce cheval merveilleusement bien. Je dis pour dire,
Et là, les temps ils rentrent là, Nitin. Mais il y a un seul pour partir là. Ouais. Et il y a juste un colère qui fait. Ouais. Et tranquillement, il a accéléré, il a une battle. Ouais, et... belle, une belle victoire. Hein. Mais dans les courses là, il y a un petit cheval aussi qui m'a dit, vous pensez, nous besoin. Ou bien pas, ou bien ça, moi, ou bien non, rien, ou bien comment l'eau là. Ça, c'est Val qui sont au petit second là. Oui. Get ça remonté là, Nitin. Oui, bien. À celle là, moi, je ne remets le film là. Right, remets le film là. Get cut l'itiété. Get cut l'itiété par rapport à Duke's Domain et par rapport à que le main fait. À nous dire un peu. Après départ. Oui, mais c'est. Nous regardons départ. Nous regardons départ. Mais bon, partez bien dire qui c'est Valla depuis quelques temps, les slow. Allez, c'est Valla m'appelait les Mandos. Oui, les slow. Les Mandos sont aussi les montrent un peu là. Allez, nous regardons départ. Nous regardons départ. Ils sont aussi le deuxième couloir. Il y a un peu slow, Patrice. Si vous regardez son Mandos et les courses, il n'y a pas de aussi vite qu'il peut sortir au début de carrière. Moi d'accord à vous, Nitin. Moi d'accord à vous. Il n'y a pas un cheval qui saute vite, il saute lentement. Ouais. Mais là, ouais. Il passe. Il sollicite ce cheval-là, après il peut trouver qu'il oui, mais... ben, travaille plus bien qu'il lit. Il n'y a pas une route bound ce cheval-là, c'est pas qu'il a été pour. Ha. Allez, moi d'accord, ouais. Mais il est capable éventuellement de gagner un déplacement. Ouais, parce qu'il est là. Mais tu peux dire où ce cheval-là un peu. Non, on ne peut pas dire où, comment dire, il n'y a pas besoin. Non, il ne faut pas les use, c'est mal là. Ouais. Mais là, il est relax, hein, il est OK là. Mais il est loin. Non, mais il est de toute façon, Patrice, les temps arrivent là, descendre. Il ouais. Pourrait pour ici. Récolle avec peloton, il pourrait améliorer sa position là. Allez, vous trouvez. Donc, là, si là, il est loin comme ça, 600 mètres. Là, ouais. Il y a un problème. Okay. Mais là, il est vous trouvez. Donc, il prend l'initiative. OK, il est récollé. Il pourrait coller là, vous trouvez là. Il est en ramant pour réduire devant. Là, il me prouve là. Vous trouvez un moment arrêté. Non, mais là, il paye une prouve bien. Là, vous d'accord, oui, mais non, bien. Mais là, il y a encore une contention. Là. Et il sollicite qu'il peut pousser sur l'armée. Vous trouvez, il peut pousser, voilà. C'est voilà, relax, qu'est-ce que vous aurez. Ouais. Ouais. Il peut venir, là, il peut revenir. Là, il est venu. Et il dit, un moment, vous trouvez, il peut négouler ce val-là. Là. Vous trouvez? Ouais, là, il y a une pression là. Là, il est venu. Il part aussi loin que ça, là, 400 mètres. Il y a 5 longueurs, retour l'eau, mais là. Il est venu. Mais c'est malin, il a une tendance à hanger un peu. Ah, mais là, il vient bien, là. Là, il est venu. Hein. Mais sauf qu'il y passe vraiment des. Ouais, mais il y a choix. Il y a choix. Ouais, allez, ok. Parce que c'est malin, il y a une tendance à aller en haut. Là, sous la cravate, c'est malin, il y a en dedans. Ouais. Et il y a un cheval devant lui, si dense, puis hang out. Ça qui va le faire, il perd des courses, d'après moi. Parce que quand il est redressé, là, ça un défoulé, ça va casser un peu son momentum. Parce que si pas arrive ça, si Dance pas vers Loli à 100 mètres de l'arrivée, si Nono a remettre ça. Ouais. Parce que si Dance fait un tigin comme ça, il dit quoi si Dance pour vivre Loli, là, la ligne il est redressé. Il met un petit coup de volant. Ouais, exactement. Parce qu'il est là, il peut venir avec son cravache de son l'armée gauche. Il peut taper, il peut venir. Si il continue, là, autrement, il arrête de taper, ouais. Il redresse. Il redresse. Ouais, ça redresse là. Redresse là, ouais. Ça qui a casse momentum, c'est val là. Mais si dans ça, c'est quand même un peu loin, Lilitika, à continuer, monte Lilitika. Bon, il y a un lien, Joké, là, allez là, Patrice. Ou tu vas mettre le haut, allez là. Enfin, mon PC, il prend un jeu de défense. L'élève, moi, je le ça. Ouais, mais get ça. Mais si, qu'est-ce que tu fais, moi, tu peux gagner si tu pas fait ça. Une foulée après but. Une foulée, ouais. Les gagner. Exactement. Ouais. Donc, c'est malheureux pour Lemon Drop Shot. Lemon Drop Shot, qui en passant, qui a une chance d'équilibre. Oui. À l'issue de la course, donc, ouais. Les filles rejoignent. D'ailleurs, mon coach, ce matin, il travaille pour la première fois sous les couleurs de Amor Sioujal. Est-ce qu'il est mis à plus de distance, un petit guide en cours? Peut-être, ouais. Mon coin, il y a un autre 1850 mètres ici, ça c'est vrai. C'est un cheval caractériel, hein? Mm-hmm. Mais il tient très très bien. Et mon coin, ça, là, si je ne me pas trompé, mon coin, c'était déjà prévu avant la course. Avant la course, qui a le sens d'équerrer. Ouais. Et il était une nouvelle classement, ok, parce qu'ils ont fait la même une feu. Hein? Pierre Coronéo, qui n'a ramené aucune victoire. Donc, il reste à 20. Ival de Santana qui gagne 10 victoires, il vient 23.
Et Dinesh Soffoul qui gagne 3 victoires, il sortit 22, il vient 25. Et toujours pour Santa Zival de Santana, il reste dans sa 32-34%, qui quand même, vraiment, alors 70 montes, il gagne 23 la monte Nitin. Seulement 23 pas placés. C'est quand même, c'est quand même quelque chose de assez exceptionnel. Ouais, hein. Ouais. Donc, il a, nous pour, bien sûr, nous pour support Dinesh Soffoul tout d'abord. Ouais. Après, nous va support Ivaldo Santana. Et les temps de Pécos, Ivaldo Santana, Nitin. Nous, troisième, voulez-nous l'émission, c'est Walls of Dubrovnik et Emblem of Hope. Comment dire, ou l'équipe Postal 2004, ça? Ouais. Comment j'appelle ça? Les Invincibles. Les Invincibles. Ouais. Ouais. Mais ça dit là aussi, Invincibles, ça. Ouais. Et les temps, nous guettons ça, nous guettons ça, décevant là. Nous, je peux dire, mais Wall of Dubrovnik, car les plus impressionnants qui Emblem of Hope, mais les temps, nous guettons après ça, délai pour ça, quand même, Emblem of Hope, il gagnait un peu trop facilement. Wall of Dubrovnik oui, aussi. Non, Wall of Dubrovnik, sur les courses, pas si facile. Pas si facile. Ouais. Parce qu'il y a une faux train dans les courses. Exactement. Mais il gagne quand même mérite de revenir et dispute la victoire à Tawa Wisdom. Nitin, nous guettons les courses là. Est-ce qu'il y a un cheval comme ça pour gagner battre ça là, ni là? Est-ce qu'à côté ça, il peut aller là? D'après où il n'est capable aller? Parce qu'il a dit sur le 17ème couloir, il n'est pas gagné. Il n'y a pas gagné les courses de tour et pôle, hein? Bon, ben, écoute ça, je n'ai pas entraîné moi, Patrice. Ouais. C'est pas là. Il monte quand même. Il monte 3 sur 4 classes. 3 hein? Classes. Bon, il peut gagner. Ouais. Peut-être la victoire a été plus laborieuse que prévu. D'accord, avec vous. Mais faut bien un bon cheval pour qu'il capable de gagner ça les courses. Ça les courses, c'est une faussée net. Ouais. Parce que ça traîne devant là. C'est une faute, hein? C'est qui a été facteur, ça? Parce qu'il est arrivé à une bonne cheval derrière pour venir devant, finalement, arriver à une ligne. Ouais. Parce qu'il pénalité tellement pénalité. Ouais. Il va l'appeler tirer. Et lui, il est derrière. Et nous trouvons quand même, il n'est pas pégalope dans ce modèle normal à l'écoute. Ouais, mais même sa ligne, hein? Parce qu'il n'est pas habitué à jouer sur la tête autant à ce cheval-là. Mais bon, qu'est-ce que ça, il pégalope un peu rapproché aussi. Ouais. Si vous demandez moi, je ne vais pas entraîner, je pense qu'il a besoin de briques. Là. Vous pensez qu'il a besoin de briques? D'ailleurs, parce qu'après les courses, je vais trouver qu'il n'était pas striding properly. Ok. Ouais. Donc, mais nous trouver quand même, il passe vraiment à l'extérieur, dit-il. Après cette accélération-là, mais après, on va être entraîné à chemin pour nous demander ce qu'il a besoin. Bon, il fait un peu d'effort. Mais pas autant que ça, il était dans la ligne droite. Ouais. Bon, l'in bizarre monte quand même. Ouais, bon, il s'est gagné dans 56 la dernière fois contre Colin Myfield. Ouais. La ligne bat Tower Wisdom, toujours en 56. Il peut rapprocher de l'élite, là. Bon, quand il prend 4 points pour sa victoire, là. Donc, enfin, il y a encore loin de l'élite. Ouais. Mais bon, c'était sur deuxième les courses en l'espace, encore 3-4 semaines. Ouais. Mais là, peut-être, comment vous pouvez dire, peut-être un mois break, ouais. Peut-être un peu plus même, quand nous pourrions trouver la fin novembre. Bon, ou, nous ne connaissons pas qui fait les papiers strad pour Pelli, mais on ne connaissons pas dans le petit chou, au mien, ça fait. Mais quand même, moi, je peux être là dans le paddock après les courses. Il n'est pas si pas. Il paraît fatigué, whatever, il se fait bosser tranquillement. Hein. Ouais. Donc, dans le les courses Emblem of Hope, qui lit, il gagne les courses. Un peu facile. Parce que, franchement, Nitin, le temps de Gitsa Vite Sin sont. Non, nous pas enlève son mérite. Non, nous pas enlève le mérite, mais il y a tout dans son faveur. Oui, mais il y a un cheval rapide aussi dans les gros, à Dog Force et à la mairie. Ouais. Donc. Là, les courses sont finies. Mais les courses sont finies. On dirait 100 mètres les courses. Ouais, mais vous êtes capable, Thomas Henry, de dîner sur vous, capable, ou mettre Franky de Tauris ici, au lit. Non, pas capable. Gagner. Les courses sont finies, frère. Non, mais à cause ça, même dans nos analyses des courses, nous avons un petit sens quand même, Thomas Henry, à cause qu'il y a une Dog Force avec à la mairie dans les courses, ça qui est une petite pensée. C'est tout Dog Force qui est un cheval 990 mètres, Nitin.
Mais après, nous n'oublions qu'il s'en donne à Conti et Séval. Oui, après, quand on gagne le bord, Eric Zeret dans l'Afrique du Sud, on n'a pas besoin d'un les courses comme ça pour gagner. Non ouais. Là, où, mais, on peut imaginer là. Oui, on me donne tout le sauf à vie, il y a un plateau là. Oui, là, parce que là. Non, mais là, enfin, comment dire, les temps de mettre devant, nous veut dire. Non, mais là, on s'en met les courses, on finit. Nous veut dire qu'il est les courses, ça, pour finir, mais on analyse. L'autre les courses, c'est vous, exactement vous, ça. D'accord, moi. Ouais. Parce que là, pendant ces mains où elle gagne, elle dit que c'est pas là, puis il se travaille mari bien. Ouais. Et j'ai aucun moment. Là, moi, je suppose qu'il n'y a plus envie de dire, tout là. Ouais. Bon, mais c'est marrant. Il y a une garçon un peu correct, lui. Il y a un garçon respectueux, il n'est pas trop content d'être derrière, on a l'impression. Ouais. Donc, emblème of hope, King Galloper, qui gagne une superbe course encore une fois. Donc, si pour Galloper comme ça, si Banna pour l'estie, il défend sans Fedi, travaille un peu, il n'est pas pour facile, le Bartlisson là aussi. Hein? Oui, il est aussi donc, il est pour gagner, il est capable de s'invaincre jusqu'à la fin de l'année, mais comment vous dire où ouais. Même si tu as l'autre cheval ici dans ce place, si vous les courses déroulent comme ça, c'est difficile à battre. Vous exactement. Les leaders, c'est tout. Lili, déjà, il paraît au-dessus du lot, mais ouais. Là, clairement, comment dire, vous pouvez donner les courses à la même place. Oui, exactement. Comment dire, vous pouvez donner gâteau là, plus cerise à tout le monde. Ouais, ouais. Donc, là, les courses de Bless My Paw, Finitin. Ça, si vous pensez, si tu mets ça comme au bank la journée. Bless My Paw, qui nous rappelle ben téléspectateur Nitin, qui a gagné ben trafic problème. Oui, sur dernier les courses déjà, tu bisais gagner. Tu bisais gagner depuis dernière fois. Après, nous tu peux dire attention, ben c'est mal. Car attention, il mal sens parce que des fois il y a un problème dans les courses. Nous dire attention, il y a un autre problème, mais par contre, c'est ok de bien monter ça. Oui, Robbie Vicarine monte un jeu de course parce que c'est là il y a encore à prendre et une tendance drop de beat, il refait ça pendant les courses, mais c'est ok pas fini de paniquer, il réussit à remettre les en action en un moment. Parce qu'il y a un moment d'étude. L'état, moi j'ai regardé les courses comme d'habitude, moi j'ai regardé ça là-bas, et c'était un moment où tout le monde est. Moi j'ai qui n'arrivait encore, est-ce qu'il est tapé parce qu'il bat trop tout le monde. Là, mais vraiment, mais effectivement, il drop le beat encore une fois, mais seulement cette fois-ci, il est revenu extrêmement bien. N'est-ce pas, Lucas? Bon, c'est un Zen Seval Prometteur qui finit seulement trois fois en Afrique du Sud. Maurice, c'était ce troisième sur outil. Se dépresser dans les courses, parti mauvais du tout. Tu as gagné sur dernier les courses. On pensait que c'était un très bon élément pour. L'écurie ouais. Débit et qui est appelé à progresser. Ah oui, ouais. Imaginez-vous, ouais. Si vous dites, vous comprenez qu'il ne faisait pas de drop de bit là. Ouais. Mais qui fait un cheval drop de bit? C'est une mauvaise habitude qu'il finit de développer. Ouais. Parce que là, si ça va, là où j'ai pour aller voir le battre Captain Garrett là. Moi j'ai fini maillé. Ouais. Après, mais seulement, les temps. On doit être plusieurs fois à Robbie Vicarine pile de la selle. Ouais, pile de la selle, obligé. Ouais. Là, il réveille, il est vrai même. Il est obligé de sortir cravasse, ça, non? Obligé, ouais, ouais. Hein? Il est obligé de sortir cravasse parce qu'il sait pas, là, il a une tendance dormi. Même là, dans la télévision, il se fait dire comme ça. Il peut dormir. Oh, antenne, il se fait dire comme ça. Il se fait dormi dans tout. Normal, tout le monde peut dire le micro allumé. Non, mais là, il a dit, si se commenter, nous gagnerons à commenter. Mais voilà, encore une fois. Belle victoire. Non, belle victoire de Bless My Paw. Et bien emmené. Bien emmené par Bicari, quand même, qui peut réaliser une superbe saison, oui. Patrice. Ben oui. Ben oui. Combien de victoires il est arrivé? 16e victoire, hein. Attention, hein. Ouais. Attention, ça veut dire qu'il y en a 7 victoires et tant. Non. Ouais. C'est combien là? 9. Ouais. Non, point peine difficile. Mais toujours. Pas connu. You never know anything. Dans ce Robbie Bicari, il a gagné 3 les courses samedi prochain, là. Il n'est récollé. Il sait que vous avez fait la même plus sérieux. Ouais. Ah, là, il a gagné les courses qui ont ça aussi, outil type Nitin. Ouais. Sarah Secret. Il a gagné son rating 3. Mais j'ai dit, comment il peut gagner ça? Rating 3, il a gagné les courses. Ouais, ouais, ouais. Hein? Mais, sauf. Mais c'est un cheval qui. Bon. Allez, explique-moi qui fait un dire ça a secret pour gagner les courses avant les courses. Non, je vous dis qui fait parce que bon, c'est un cheval qui passe en, qui a pas mal de problèmes ouais. Déjà, mais qui pas si mal galopé avec Réa Zoula, Zé Guimier Swinger, qui a des courses difficiles, qui sont 0.0. Tu faisais fini gagner sa Zoula,
après tu calmes les courses, on réagit là, sur le coup, tu vas partir au grade 5A, en longueur 30. Là, il tient à tout de suite à 55 kilos en premier niveau de sa catégorie là. Faut être tout en faveur. Tout le temps, il dit ah ben John, il dit dans la catégorie 0-15, c'est tout. Faut dire qu'on m'a dit la ligne bon, ou soit on réussit devant tranquille, ou soit en deuxième position tranquille, ou en poids. Bien sûr. Et ça, c'est un cheval qui n'est pas correct. Qui n'est pas contre travail, bien sûr, travailler de bord et de trailleur. Il est bien. Et pour avoir souri, la semaine, il est croisement, il est là. Normalement, le service, il m'a fait une dédicace bien pour autant cette semaine-là, parce que samedi, c'est mon anniversaire. Et l'anniversaire de madame qui est en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas drôle, ce type-ci, depuis pratiquement. Il a 10 mois. Ils ont envie de gagner ça, les gros, ça, donc, sur l'anniversaire. Et Réjouis-moi, je suis à Al-Ghetli. Non, mais heureusement, Récial Guetli dans Paddock, moi, je suis bien content. Non, après les coups, je suis remercié chez nous. Et nous comptons pour M. Auril, nous comptons pour M. Lincoln. Oui, lui aussi, il n'est pas fini perdu par chance. Et c'est pas aussi compliqué, il y a un tas de problèmes. C'est valable qu'il a, c'est là, il a 8 ans. Et il paraît qu'il y a un du monde qui raconte pas ça, nous sommes capables de demander ça bien dans l'école après. Diamant comme ça, c'est un cheval qui, depuis longtemps, tu faisais finir retirer de l'effectif. Donc, mais il finit godly dans ce yard, une god patience avec lui, parce que ce tifi appelle Sarah. Tchou, get ça que ma zone. Et c'est valable, il réussit retourner ça, il réussit ramener sa victoire là pour lui. Incroyable, chers amis, les histoires qui se passent aux courses. Donc, après 5 ans d'attente, une propriété, et qu'un cheval qui bégale dans 0-15, serait-il 3. Hein? Tellement que m'a dit il pas gagner, pas gagner. Mais quand t'es patience, nous vous a félicité, M. Lincoln. Définitivement. Hein? Donc félicitations, M. Lincoln, pour patience. Nous guettons les courses là, Nitin. Guettons les courses Sarah Secret. Après, nous allons écouter l'interview de Raj Ramzin. Donc, allez Nitin, au départ. Nous disons, ce peut envoler devant lui. Antique Flyer peut envoler devant. Pourquoi ça, le jockey Vaiba, Patrice? Pourquoi lui, un peu. Il peine bon jus du pas. Non, mais écoute, il peut aller s'amuser ça. Hein? À moi, ma reine. Ton chelin, quoi, 990. Non, quand ma reine, il y a les mecs au Benjet, ça. Non, pas un de comédiens, ça. Et en plus, moi, tu voulais un peu devant le lacet là, tu vois. Non, il a beaucoup trop vite. Marie vite, ça bosse. Ouais, mais un peu normal, comment dire, c'est mal qui suit en deuxième position. Et qui, au fait, Sarah Secret, lui, comment dire, il a le devant. Ouais, c'est lui qui a le devant. Hein, c'est lui qui ne réglait pas. Mais par avec sourire, après, il dit, moi, si Minan Messenger, si tu as le plus, vous n'avez pas si elle est pour capable, parce que. Alors, il ne faudrait pas nous oublier aussi qui Midnight Messenger qui casse. Il fait trois tours de la piste. Trois tours de piste, donc il n'est pas galopé. Oui, mais alors, il a oublié sa boutte là. Si Midnight Messenger, si dans les courses, tu mets pression dans Sarah Secret. C'est vous différent, les gars. Ben, écoute, Midnight Messenger, tu pourrais trouver. Nous pensons que tu es capable de suivre derrière Sarah Secret. Parce qu'à partir de mieux, tu peux disputer la victoire avec lui. Tu peux disputer la victoire. Là, nous trouvons Benoît Lincoln avec Sarah Secret et Raj Ramzin également. Ben oui. Ça fait longtemps qu'il est parti retourner dans Widen. Il a gagné une semaine de cela avec Blendebess. Blendebess. Donc, premier course même, encore une fois. Donc, voilà. Ben, dans l'école, vraiment très, très content. Ah ben, pourquoi pas content, la bus. Ouais. Alors, ben voilà, la victoire de Sarah Secret, qui fait plaisir à ce propriétaire, ce jockey, Madame Jockey, Nièce Jockey, et qu'entraîner, c'est mal. Tout le monde est content. Et nous sommes contents. Ouais. Nous sommes ici, on va dire, faire cette interview là. Dans l'écoute, un coup de qui, Raj Ramzin, on a pu dire sa victoire. Raj, une brillante victoire de Sarah Secret dans la première course. Nous vous avons dit que c'est un cheval qui nous prend beaucoup, beaucoup de patience pour ramener en condition qu'il ait triomphé samedi. Oui, il nous prend beaucoup de patience, surtout ce propriétaire Bernard Lincoln. Il nous a mis les courses, ce cheval fétiche ça. Il est bien content pour lui, surtout que ça cheval a gagné. Il nous a failli gagner une fois quand on l'a monté, perdu pour un brin de fil. Mais là, il a gagné assez facilement et nous sommes bien, bien contents.
Et nous connaît qui gone traveling, c'est un light sort, un coursier qui souvent est présent à l'arrivée, mais que Philippe prend un peu le temps pour démarquer de son adversaire. Vous connaissez, il y a un cheval bien délicat, parfois le very light, et où vous en prend beaucoup patience en lit pour faire l'immonser, tout ça là, mais cette semaine-ci, il y a un battu pour un Almada vraiment de grande classe. Un petit mot sur la performance de Arabian Air sur lequel tu peux fondre l'espoir samedi, Raj? Oui, nous partions un grand espoir avec lui parce qu'il y a beaucoup bon cheval là-dedans. Mais doucement, il peut venir et je crois que dans l'avenir, si nous restons situés sur le même problème, il faut faire mieux. Et nous connaissons qui We Light the Fire, un de nos meilleures acquisitions de la saison. Il peut prendre un peu le temps pour galoper en progrès. Est-ce qu'il y a une raison derrière cela? Non, il peut galoper dans le racing trop fort. C'est pourquoi il peut prendre le temps pour venir et il peut gagner vraiment top horses. Mais une fois qu'il est au rating un petit peu bas, peut-être qu'il peut faire mieux. Je nous connais un petit peu de chevaux à l'écurie, notamment Million Dollar Man, qui est également un nouveau qui, ici, peut prendre ce petit temps pour retrouver. Comment il passe sa récupération qui se forme actuellement? Million Dollar Man ne peut pas prendre ce temps. Il n'y a pas une Mauritius, aussi second, mené terrain. Et la dernière fois, il a failli tomber dans le virage dans la ligne droite. Je crois que si tout passe bien dans un parcours, il peut bien gagner sur les courses. Hein? Il y a un petit cheval qui peut passer dans PSU, c'est Supreme Orator. Même à Floréal, nous remarquons que l'entourage prend beaucoup de patience avec sa course-là. Est-ce que vous êtes capable de confirmer qu'il peut progresser par rapport à ce dernier les courses? Supreme Orator, c'est un cheval un peu comme un Sarah Secret. Ça. Vous en prenez beaucoup de patience, il faut être dans un bon mood, il faut être bien mangé, il faut être pas light. Mais il y a un cheval qui a un grand équerre et dans le parcours qui shoot, un de ses jours, il vous a gagné. Et Al Jazeera a galopé depuis la 16e journée. Quand nous pourrions trouver en compétition, est-ce qu'il s'est là à travailler correctement ces derniers temps? Vous connaissez mon moment, si un cheval pas bien, on va vous mettre les galopés. Tant qu'il pas pick-up sous forme quand il gagne la première fois, là, on va vous mettre les. Mais pas de sitôt. Même pareil que moi, after the order, le jour où il m'a trouvé, il est fit pour galoper, on va vous mettre les. Un petit mot sur la forme de Inauguration. Inauguration, c'est un très très bon cheval. Zouli pour le parcours idéal, définitivement, il vous gagne. Il y a également Rock Manor qui certainement est bien dans son parcours actuel. Oui, on trouvait la dernière fois, Rock Manor, il prend la main, mais ce cheval-là, il fait knock à dado. Il y a un petit coursier en particulier qui est bien estimé ou pour souhaiter retrouver le winner en closure avant la fin de la saison. Mais pour moi, je suis plus content, ça reste secret encore une fois. Avec son rating 3, il a gagné. Si il a bon ligue 3 fois de suite, il reste dans le rating 15. Voilà, Raj Ramdin, chers amis, qui nous parlait de ça reste secret et des autres chevaux. Nous sommes au sujet, cause low stage well, qui gagne les courses relativement tranquilles, nous avons dit. Devant, du moment qu'il met devant lui aussi, qu'il ne réglait pas. Et il est compliqué à remonter sa cheval là, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une cheval qui a un gros équerre. Quand on m'a dit qu'il rentre en ligne droite en première position, si vous n'avez pas une route, vous avez galopé beaucoup. Oui, il y a encore un pays mature. Oui. Suzuki, tu peux dire ça dans l'enquête hier, il a tendance à être à droite, à gauche. Nous guettons le départ de la course. Ouais, après, il y a une faute. Il y a une faute sur Jockey de Fer. Donc, une paye à deux semaines de suspension, c'est ça? Oui, elle est allée sortir au Charal. Oui, sortir très vite. Stan Sevan qui a une certaine gate speed. Et les temps, ils rabattent à la côte. Ils poussent un peu. Free to win. Et Quest for good. Ce qu'on parle de l'écurie. Vous trouvez là? Et pour sa faute là, il va le prendre des semaines. Suspension. Et mon commissaire finit également dire qu'il a montre de Ramsamy. Je t'ai interrogé en présence de l'entraîneur Alain Pedro par rapport à la montre. Madame Pedimani, il s'est permis un peu trop retenir ça, ces balles-là. Low quest for good, ça. Oui. Mais bon, vous trouvez ces balles-là peut tirer un peu également. Oui. Mais bon, d'un côté, ou quand on comprend Ramsamy aussi. Est-ce qu'il dit pour les c'est va aller galoper avec son compagnon de Kiri? Comment tu es des mots? Ouais, il a. Il parle de problème. Il parle de plus de problème. Il parle de problème, monsieur Pierre. Bon.
Non, mais vraiment, non, mais écoutez, est-ce que, moi, j'ai une question pour vous, Nitin. Est-ce que quest pour que c'est un cheval qui bizarre à l'devant? Bon, on n'est pas capable de dire ça. Ouais, exactement. C'est un cheval qui pas qu'on galope beaucoup, enfin, se dé procéder les courses. Ici, c'est un cheval qui galope 8e position, hein. Okay. Premier sorti, ce dernier sorti, il galope 5e position, il finit 9e. Ça les courses aussi, il sont dernier. Donc, c'est pas un cheval qui c'est pas un cheval qui ne paraît, il n'est pas encore paré. Il peut progresser. Il peut progresser. Ouais. C'est un cheval qui peut vivre. Peut-être qu'il est guéri. Peut-être à suivre dans une catégorie inférieure. Inférieure et peut-être, peut-être l'année prochaine, plus ouais, ici, ouais, non ouais. Donc, là, il a, mais bon, stage well, donc ça coule là. Oui, il est tout seul devant. Il peut régler la course. Principal adversaire ici, bon, free to win, les courses difficiles à l'extérieur. Et Rotec en queue de peloton. Ouais. À l'ose. Et Rotec peut tirer derrière. Ouais. Il y a Rotec là. Il peut aller Rotec là. Des fois, il barrage. Il peut la place pour aller là. Il met mais c'est bon. Nous, qu'est-ce que tu as mis? Mais il est impressionnant, Rotec. Hein? Sur le dévoilement, il est plus impressionnant qu'il s'était duel dans les courses. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce qu'avec ce mauvais la ligne, Suzuki nous a répondu, il met les derniers. Ouais. Et les courses que tu peines à train. C'est pas là qu'il mérite de venir. Qu'est-ce que tu as? Ouais. En gros. Bon, il s'était joué à gagner. Il s'est joué peut-être trop mais beaucoup. Peut-être avec un better draw. Ouais, et qu'il y a des grosses plis tranquilles. Non, déjà avec un meilleur la ligne, tu peux moins loin. C'est ça. Ouais. Là, il retrouve 400 mètres, il n'a pas combien de cheval devant lui. Ouais, et il peut tirer, ouais, il pouvait tirer ça. Ouais, mais il ne peut pas qu'on écoute pour aller. Ouais. Donc, c'est des chevaux à surveiller pour la prochaine sortie, chers amis. Avant de terminer, enfin non, nous avons terminé à Stern, nous visons cause Almador, ça, Marie-Serie, si ceux qui suivent, faites vos courses samedi. Nitin demain, c'est même les courses plus ouvertes de la journée, la dernière course, la 9e course. Là, moi, Nitin, mais quand les courses ouvertes comme ça, mais qui rend ça, moi, tu as content de gagner avec un entraîneur. Nitin demain, mais Alguet Sudé Sissaran, demain, ni. Qui fait Almador et retourner aussi vite que ça. Donc, Nitin, qui l'India nous? Non, mais. En fait, l'India, c'est qui tu peux expect. Oui, par contre, ça même, on a envoyé pour. Exactement. Mais pour lui faire ce val-là retourner aussi vite, ouais. Ça veut dire qu'il. Donc, il s'est castré ce val-là. Ce val-là, tu castres son premier sorti. Déjà, son premier sorti, son entourage, tu peux attendre un big improvement pour lui. Mais c'était son premier run après castration. Et ça joue là, dit Nesufoul, tu m'as dit, peut-être tu fais un tirer et tu suivais un peu trop près. Trendy. Ouais, ok. Et quand on va cause avec Soudès dans rond. Qu'il y dit, il y a marre comme ça. Les manières qu'il y a. Oui, nous connaissons l'entraîneur là. Exactement. Les bananes nous fréquentons ici, nous connaissons. Manière, quand je te causais, je suis l'espagne du monde qui cause beaucoup. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais. Pourquoi il cause ça, votre chien? Oui, mais manière qu'il répond à ma question au samedi, au fini qu'on est. Moi, mais t'es mort et tout. Dans le studio, mais t'es dit, il paraît confiant, hein. Ouais. Il dit, mais vraiment, il paraît confiant. Et explication là, vraiment qu'il est bien confiant. Parce qu'Almador, pas sous catégorie, premièrement, ça. Oui, donc sur forme sud-africaine, c'est un. Ouais. Un bien meilleur. C'est pas ça. Donc, les castrés, les révinis. Et il précise lors de l'interview qu'il pour adopter un changement tactique également. Exactement, l'Indiama comme ça, qu'il est pour dire. L'Indiama devant Nichal Tia, il dit comme ça, mais à la Lila, devant Nichal, je peux dire où ça partait, c'est pas la guette. Je vais le faire comme ça, qu'on est qui m'a pour. Drop ces balles-là. Ouais. Donc, c'est tactique qu'il a adopté et manière qu'il dit, mais moi, ici, comment dire, il ne peut pas dire moi, ici. Il dit, au fait, il dit, moi, ici, il peut faire l'arrivée. Ouais. Mais comment dire, manière qu'il peut dire ça. Et même, ça peut trahir une certaine confiance. Exactement. Ouais. On voit, quand il dit bien confiant, les chances de Almador dans sa découste. Là. Nous regrette les courses, ouais, mais bien sûr, nous regrette ça les courses. Pandan.
Oui, vous trouvez les précis joue Patrice qui. Ouais. Les drop ses valins un peu derrière. Et ses valins sont aussi un. Ouais, mais il y a un petit move qui Nishaltia a fait là. Ouais. Parce que moi, je disais, il peut drop les derrière, mais je crois qu'il peut suivre derrière net. Sauf que Nishaltia a gagné place. Oui, non, bon, il peut pas aussi de ça. Ouais, mais non, il peut. Ouais. Et c'est un bon train dans les courses. Vous connaissez, c'est un bon pas, c'est une enquête. Il y a le jockey indien, Baibal, qui a fait une commissaire qui Italien Wing chase lui pendant les courses. C'est une enquête là où ça y est. Ok. Italien Wing, tu montais pas Roy. Mais Roy, son instruction, c'était essayer aller devant au départ. Si ils amènent le cheval, insister, laisser aller. Mais si Eagle Vision commence à réduire la descente, essayer d'attaquer lui. Ouais. Sauf que Eagle Vision pas mal doucement, ouais. Donc il n'est pas capable pas supposé ouais. Descendre à l'eau qui traîne là aussi rapide. Et quand Italien Way descend, qu'est-ce qu'il va y faire? Depuis avant 600 mètres, il peut commencer à pousser ce cheval. Ouais. Vous voyez? Il est beaucoup trop vite. Et ça fait une. Comment vous pensez que c'est. Pourquoi le jockey indien ne bon juge pas? C'est ça qui est vraiment pire. Il vous a mis le faux en même. Et. Ben, le commissaire a fait. J'ai. Alvin Roy qui. Il vous a fait très attention à l'avenir sur ride in Cayman de Notice. Et Valen fait également. J'ai. Vaiba, mais vous n'êtes pas capable d'aller aussi bonheur. Qui ça l'eau qui peut imprimer un ouais. Mais normal, ce cheval pour tout faire. Normal, la Eagle Vision fait marrer les courses. Oui, mais oui, après, mais ça aide Almado. Bien sûr. Parce qu'il vient de finir. Ouais. Bon, vous pensez, malgré tout, façon qu'il gagne les courses, tu peux gagner anyway, tu peux gagner même. Ah oui, hein? Ah, oui non, ouais. Non. Ça l'eau là, mon corps, il n'y a aucun souci parce qu'il gagne très, très confortablement. Et. Ça. Manière qui se dessine, causé dans sa interview là, il nous disait dire qu'il nous remerciait pour ce Francis, pas juste nous, Patrice, beaucoup apprécié chef-fils public, il apprécie manière se dessine causé. Ouais, et mon pensé ce patron venait nous saluer, Gilbert Rousset aussi, qui peut être lui. Ouais. Une bizarre. Mais vous pensez qu'il est bien fier. Manière qu'il est causé, manière qu'il est dit. Écoute-moi, il n'est pas dit comme ça. C'est pas le peut gagner. Non, il n'est pas, mais c'est bon. Non, il n'est pas dit ça à aucun moment. Mais ouais. Par contre, mais c'est bon, confiance qu'il a affichée, manière qu'il est dit comme ça. Mais à la Lila, tactiquement, ouais. L'autre fois là, il passe une bonne tactique. Là, je pense que sa tactique là, est meilleure pour lui. Et je pense que Patrice vous fait l'arrivée. Ouais. Il n'est pas pour qu'il ça. Il y a un professionnel. Il n'est pas Karavin Jaou, c'est là pour gagner. Non, mais écoute, Karavin ça. Mais seulement, le connaissant, ouais. Nous connaît qui est plus confiant. Qui, ouais. Je sais, et comment tu fais-moi de poser sa question? Des semaines, c'est là retourner aussi vite que ça. C'est ça. Il vient lui entraîner, il connaît, vous comprenez? Exactement. Et je pense au fond, il est bien confiant qui c'est là. Pour faire une très bonne course et dispute la victoire. Les dames nous étaient vraiment fait une très bonne course. Il était avant de terminer. Il était un coup de la course principale de ce samedi de Ramnaren Rajkumar Gajador Cup avec Hale, Woltag, Dutch Alley, Stop All the Clocks, Titicama Dance, Hubble, Ottoman Empire, Deja Lala. Mobeget, quelle distance en est-il? Est-ce qu'il est 100 mètres. Il y en a un cheval qui, comme on dit, l'autre fois là, tu fais l'arrivée. C'est ça, cheval qui est numéro 5, là, la Titi Kamadens. Et qui tu fais l'arrivée là? Avec Springman. Avec Springman. Et moi, bon, encore, rappelle qui, Ricky Melgaud, il ne faut pas croire qu'il y en a à distance. Comment est-il? 2100 mètres, il y a fait 2050 mètres. 2050 mètres. Mais la libérer tout loin une distance qui est meilleure pour lui. Oui, mais retourne. Bon, il n'a pas gagné les courses, mais dans l'espace des semaines, sur 2050 mètres, 1600 mètres. Ce n'est pas idéal. C'est pas idéal. Ouais. Nous avons quand même. Woltag, 1600 mètres, il y a 10 pour lui. Il entraîne l'autre des tours. Okay. Bon, Woltag, déjà, 1850 mètres. 1850 mètres, oui, il a raison. Pourquoi il y a un problème pour lui? Par contre, Hale, c'est un parcours idéal pour lui. Hale, très bien. Ouais. C'est un parcours idéal, tout à fait. Il est très, très bien. Woltag également maintient une belle forme, bien travail. Ouais.
Bon, c'est décevant qu'il finisse dispute la victoire au jeu de dernier coup. C'est certainement une grande chose de victoire. Et là également le coursier Hubble, oui, qui fait une gain avec beaucoup d'autorité la dernière fois, qui certainement quand même influence le déroulement des courses. Si, il est capable de retrouver tout seul devant avec 53 kilos, lui aussi. Faites attention, là. Bien sûr. Mais normal. En tout cas, Nitin, ce sera une belle course. Chers amis, on arrive à la fin de cette émission. Merci, Nitin. Plaisir, Patrice. Et on se retrouve aux côtés de Nassib pour Turf Time vendredi et aussi samedi pour Faites vos courses. Et on se retrouve très bientôt, chers amis. Merci beaucoup.